for the rugged. Been a little too nice to y'all. Now I got to up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the balls, I'm flipping the... Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Booba Kaaris et d'une grosse polémique qu'il y a eu sur Instagram. Là je vous mens pas, il y a beaucoup de gens qui ont pété un plomb par rapport à Booba. On va en parler. Avant toute chose je vous laisse me lâcher le petit like comme d'habitude la famille. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lâché dès qu'ils ont cliqué sur la vidéo. Mais bon, je le dis quand même. Merci beaucoup à tous ceux qui like, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les 100, vous êtes la famille. Merci beaucoup. Aussi je voulais vous dire, n'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram. Voilà, c'est gratuit, ça m'aide énormément. Et surtout, on est bientôt à 10 000 followers sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram. Et d'ailleurs, en parlant d'Instagram, je vous affiche la dernière personne qui a gagné le concours Instagram et comment participer pour passer dans la prochaine vidéo. Sur ce, on va passer à la vidéo, la famille. Alors, en fait, comme vous le savez, dès qu'il y a des news concernant Booba, Kaaris, etc., je vous fais des vidéos. Donc là, récemment, il y avait eu des news. Donc, Booba avait continué à chambrer Kaaris, etc. Mais bon, rien d'affolant, tu vois. Et en fait, hier, on m'envoie un message d'un abonné. Par contre, je me rappelle plus du nom de l'abonné. Faudra que je me rappelle pour les dire dans la vidéo. Mais c'était une fille. C'était une fille. Et en gros, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit va voir le dernier post de Kaaris. Il a mis une photo avec sa fille. Va voir les commentaires. Du coup, je suis parti voir et en fait c'est vrai, donc Kaaris a mis une photo avec sa fille comme il fait très souvent. Donc du coup je vais vous afficher la photo comme il l'a mis sur Instagram, je pense que ça va pas le déranger. Et en fait en commentaire il a mis la vie d'un homme. Voilà, donc une bio normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Là vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il va nous parler en fait? C'est quoi le problème avec Booba? J'arrive. En gros, voilà, donc il a publié ça, Kaaris, une photo de lui. Et vous savez, Booba a l'habitude de commenter les photos de Kaaris. Des fois il le pique ou quoi que ce soit. Sauf que là, il y a des gens qui ont pété un plomb. Ils ont pas du tout aimé ce qu'il a dit Booba. Parce qu'en fait Booba il a commenté la photo de Kaaris et il a dit la mort d'un enfant. Et là les gens ont pété un plomb. C'est parti en polémique de malade. Il y a des gens qui lui ont souhaité la mort. Il y en a qui l'ont insulté. Il y en a qui ont parlé de ils lui ont dit que c'est toi qu'il fallait qu'il meure, etc. Parce qu'en fait les gens ont cru que il parlait de quand il a dit la mort d'un enfant, les gens ont pensé que il parlait de la fille de Booba, de Kaaris. Et justement les gens ils aiment pas quand on s'attaque aux enfants parce que les enfants n'ont rien à voir dans les histoires. Et ces gamins s'attaquaient aux enfants, les gens ont dit il est parti trop loin, etc. Ça se fait pas. D'où t'insultes les enfants de ton pire ennemi, etc. Certes, même si tu le détestes, tu souhaites pas la mort de l'enfant de ton ennemi, tu vois. Mais je vous arrête tout de suite. En fait, même moi, je commençais à m'énerver par rapport à Booba. Mais en fait, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit les gens ne pétaient pas un plomb pour rien. En fait, quand il a dit la mort d'un enfant, il a pas dit la mort d'un enfant entre parenthèses ta fille. Il a dit la mort d'un enfant. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires qu'en fait, il parle de Kaaris quand il dit un enfant. En gros, parce que lui c'est le papa et lui c'est l'enfant. Et en gros, il va dire que bientôt dans l'octogone il va le tuer. Et en gros il dit c'est pour ça qu'il a dit la mort d'un enfant. Mais comme il y a la fille de Kaaris sur la photo, ben les gens ont cru qu'il parlait de sa fille tout simplement. Ben c'est logique, après je les comprends. Du coup c'est pour ça que c'est parti en live. Donc moi peut-être je fais l'avocat du diable, mais je pense pas que Booba ait insulté la fille de Kaaris. Je pense qu'en disant la mort d'un enfant, il parlait de Kaaris et non pas de sa fille. Voilà. Mais en tout cas on saura jamais la vérité parce qu'il faudrait faire l'interview à Booba. Mais bon voilà, je pense pas quand même qu'il ait insulté la fille de Kaaris. Enfin ça serait grave. Donc voilà, en tout cas moi c'était juste pour mettre les choses au clair. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette polémique, mais vraiment il y a eu des commentaires de ouf hein. Je voulais vous en montrer dans la vidéo là, mais il y a des trucs de malade hein. Je peux pas vous les montrer, il y en a qui lui ont souhaité la mort à Booba et tout, des trucs de ouf. Donc franchement voilà, en tout cas moi c'était juste pour vous dire que je pense que il a pas insulté directement la fille, il a insulté Kaaris parce que voilà, lui à chaque fois il dit que c'est le papa de Kaaris et au final voilà. Donc, en tout cas Kaaris n'a pas répondu à ça. Donc je pense que si il l'aurait compris comme la plupart des gens l'ont compris, comme quoi il aurait insulté sa fille, je pense qu'il aurait répondu direct et il l'aurait insulté de malade ou un truc comme ça, où il aurait fait une vidéo. Mais bon là il a pas répondu, donc peut-être que ça confirme le fait qu'il parlait de Kaaris et non pas de sa fille. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires la famille. Dites moi si vous étiez au courant, dites moi ce que vous en pensez. Dites moi si vous pensez qu'il a insulté la fille ou si vous pensez qu'il a voulu insulter Kaaris. Voilà, ça m'intéresse. Et puis sans plus tarder je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bing bing bing.